Bonjour à tous et à toutes, je suis Arius et bienvenue pour la suite de Neverwinter Nights, Shadows of Hundred Tide. La dernière fois, j'ai découvert un petit peu, j'ai essayé de voir tout ce que l'extension apportait, notamment cette capacité de modifier enfin l'inventaire du follower, ce qui est génial, parce qu'il le fallait dès le début, ça. Et de l'histoire, des cinématiques avec le moteur du jeu, qui ont un petit peu ramé pour la dernière fois, ce que je m'en excuse. C'est quand même deux belles améliorations. Et donc, la quête étant de ramener 4 objets pour être sûr que tout soit safe. Parce que voilà, c'est le but à chaque fois. J'ai fait deux petites quêtes aussi. Notamment le fait de sauver une personne. Alors attendez, c'était où? C'était ici à la taverne. De sauver une personne qui était retenue en otage par les gobelins. Et un est-ce que je pourrais dire un faux prophète? Non. Un illuminé qui voulait convertir le peuple à une divinité de mon cul que j'ai réussi à faire partir grâce à la parole. Et donc maintenant on va partir chasser le gobelin, parce que c'est ce qu'on doit faire. Chasser le gobelin qui ont donc volé les 4 artefacts magiques qui permettent, ils sont réunis, de faire des choses vilaines. Oui, alors, ça c'est quand même pas mal aussi, c'est que je n'ai pas exploré la zone et pourtant, j'ai la carte. Je vais partir du principe que, vu que j'ai fait le chemin, je connais un petit peu les environs. Alors, maison des Blake. Oh, monsieur, bonjour. Tu viens me voir, tu n'es pas suspect, monsieur. Donc, qu'est-ce qu'on a? Porte de la ferme aux collines. Vieille grange. On va explorer un petit peu la carte. C'est quand même très beau, la musique est très très belle je trouve, même si un peu répétitif. C'est quoi? Une caravane a tout juste d'arriver, voici qui est étrange. Bah non. Oui. Faites pas attention à mon frère, il n'a pas joué beaucoup, surtout aujourd'hui avec ses combats. Ouais. Et monsieur? Heureux de vous voir. On n'aurait pas un cigare au rhum? Un cigare, quoi? Parce que, oh, mais j'ai découvert ça à Earn. Amn. Alors, si je dis pas de bêtises, et je pense que je ne dis pas de bêtises, c'est une référence à une extension de... Non, c'est une référence à un jeu de Forgotten Realism. Si je dis pas de bêtises, c'est le Baldur's Gate 2. Si je ne dis pas de bêtises, ça doit être Shadows of Arm. Je crois que c'est ça. Faudrait que je vérifie, mais je crois que c'est une référence à Baldur's Gate 2. Si c'est le cas, c'est très très beau. Je suis Yen Black, élève de Metroid. Non, on va essayer d'être gentil. Discuter avec un imbécile comme lui, mais calme-toi. Imbécile. Oh là là. Alors. Oui, arrêtez de vous battre. Quelle question. Cette caravane vend-elle quoi que ce soit? Catriana. Oh là là. Ah, les kobolds. Dans quelques biens privés du marché noir. Oh là là, c'était des choses. Oh, il a des choses. Oh, j'aime cet homme. Alors, il y a des arbalètes classiques. Des armes classiques pour le moment. Ah, ils n'ont pas de potions de soins intensifs. Est-ce qu'il y en a vraiment? Compétence, estimation, réaction négative. J'ai une compétence, estimation. Putain, mais il y a même des... Oh là, ah oui, mais ils vont de la merde, en fait. Oh là là, qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est que cette merde?
Cette poudre ressemble très fine et très légère, poussière métallique. Une simple poignée se substance juste dans l'air permet de recouvrir les objets avoisinants. Oh, pas mal. Chose trap. Putain, mais il y a des nouveaux objets incroyables. Ce sont des croisillons métalliques dotés. Un petit sac contient jusqu'à. Ok. Oh, un cistre de mettre de mettre McFun. Il y a un instrument. Ouais, donc ça c'est un objet. Du quartz, des trucs, de la poudre asphyxiante. Ah ouais, pas très légal tout ça. Ah d'accord, ouais. Aventurine. Oh putain, il y a même un luth. La poudre de disparition. Oh. Il y a pas mal de. Il y a beaucoup de nouveaux objets, notamment des objets divers. Heureux de vous voir. Mais oui. Qui vous a attaqué? Ah, au nord. Ah, intéressant. D'accord, bon, petite quête. Non, je. Oh, je peux rentrer dans la caravane! Ah, oh, vas-y! Oh non! Je peux laisser cet homme blessé? Laissez-moi parler! Je suis. Quelqu'un! Parc des caravanes! Oh! Oh, il y a une roulotte là-bas! Elle est où la roulotte? Elle est là. Ils appellent ça comment? Les Alflins. Ah, et Katrina. Je n'ai pas le temps de discuter. Mes petits amis ont besoin de soins, comme vous le voyez. Tes petits amis? Appelez-moi Yann, voilà. Des questions. Que s'est-il passé? Des cartes d'élimination, ouais, d'accord. Ok. Ouais, Torias me l'a dit. Et bah, deux petites quêtes, très bien. Donc là, le jeu voudrait que. Oh, il y a un chien! Srazen. Salutations. Waouh, salut. Tu es très beau. Tu es magnifique avec ta coupe de cheveux. Alors, comment la civilisation peut-elle perturber? Bah, écoute, oui. Pourquoi? Est-ce un rouge de thé? Non, jamais. Oui, oui, oui. Oh oui, parce que tu es un magicien de thé, c'est pour ça. Dame Drin. Putain, mais arrêtez avec vos noms compliqués là, c'est chiant. Ah, le bourgmestre bourré. Ah, ce fameux bourgmestre d'une qualité. Bonjour madame. Mais incroyable ça. Bonjour madame. Nora Blake, je ne sais pas qui tu es. On se connaît? Mais comment elle doit attaquer notre maison, Adam et moi? Nous sommes sortis par la fenêtre et non, m'a aidé à descendre ensuite, il est retourné. Ouais. Il n'y a pas de temps à perdre. Vite! Les Space Rangers sont là. Pardon. Police! La Space Police est là! Ah! Bon, merde! Xanos, c'est toi qui lui dis qu'elle est morte. Si tu
Tu lui dis qu'elle est morte, hein. Pas de problème. Moi, j'ai pas signé pour ça. Non. Alors, le célèbre. Ah. Bon. Ok. Vite, à l'étage. Où est le fils? Space Police. Ah. Bon, ils ont ouvert les portes. Putain, ils ont. Oh, ils ont cassé les tables! Ah, ils ont cassé les tables! Oh, y a un manque de respect! Putain, ils ont foutu le bordel! Ah, ils ont foutu le gros bordel! Bonjour! Oh, voleur! Ah! Donne-moi le bébé! Voilà voilà une pierre qui brille! J'ai perdu quoi en fait là? Que veux-tu? Non, non, non. Laisse tomber. Oh non! Il a cassé la fenêtre, je l'ai pas vu! Je lui ai donné quoi en fait? Oui, je lui ai donné une améthyste. J'ai obtenu un bébé par contre. Alors, moi j'ai envie de dire. C'est pas la première fois que j'ai un bébé dans mon inventaire. Non mais Xanos, tu prends beaucoup trop. Tu es un peu. Tu es un peu con. Bon par contre, ton mari est mort. Je pense que là, je vais donner une améthyste. Sérieusement les mecs, calmez-vous. Ah, voilà votre bébé. 200 points d'XP, oui. Ah, il est mort. Donnez-moi cette blague. Eh bien, je m'en vais. Voilà, parce que j'ai pas envie d'être un énorme plus qu'un énorme connard. Et là, il y a une pierre tombale. Est-ce qu'elle était là, cette pierre tombale? Est-ce que cette pierre tombale, tu l'avais prévue? C'est un peu suspect, ça. Et ça, c'est quoi? Vas-y, détourne le regard, détourne le regard. Personne nous voit, je l'ai volé. Je suis un roublard. Je suis né pour voler. Oh, c'est beau. Une petite réserve. Là, il y a une caisse. Ok, bon, il y a une caisse, c'était pas intéressant. Voilà, petite sauvegarde cependant. Bon bah j'ai fait une quête, voilà, j'ai fait la quête, sauver une famille. Maintenant je dois. 1, 2, 3, 4, voilà, bon faut que j'aille au nord-est donc. Ah non, là faut que j'aille au nord-est, là faut que je retourne voir le bourgmestre. Le bourgmestre bourré. Alors, attendez. Non, je ne vais pas descendre pour le moment. Salut le chien. Ah oh, c'est bien. T'as un beau chien. Alors, ici. Alors, qu'avons-nous là? Pas grand-chose. Une porte ouverte, très bien. On va faire le tour quand même, hein, pour un petit peu explorer. Ok, y a rien. Y a quand même des mecs qui ont fait une grande barricade. Une grande barrière pour le kiff, pour leur propriété. Bon. Là, un tas de pierres, je le savais. Bon. Des cailloux. Plein de cailloux, des serres. Oh, je pense qu'ils se sont fait tuer. Ah par contre le personnage, enfin le follower qui dit et qui parle pendant au fur et à mesure de l'aventure, je pense qu'il sera peut-être dû.
peut-être lui faire le faire la voix. Police! Police, les mains en l'air et y a personne. Putain, je pars dans le vide. En ce cas, enquêtons. Enquêtons. Ah, là, je crois qu'il y a quelque chose. Oh, ils ont cassé les tables. Ils ont cassé des tables, c'est inadmissible. Je vais devoir émousser leur épée. Qu'est-ce que... Oh, oh, oh. Des empreintes. Des empreintes de vagues qui se dirigent vers cet escalier. Ma foi, fort mystérieux. Sans doute, d'accord, il devait sans doute dormir ici. Il y a des gens ici, au moins deux. Mais des empreintes mystérieux. Ils ont ouvert une porte. Écoutez-moi bien. Vous allez tous poser cette arme. Voilà. Waouh. Ouais. C'était un combat incroyable. Oh, des cartes divinatoires. Et ben voilà. Et paf, c'est à moi. Voilà, j'ai récupéré des trucs. J'ai récupéré les cartes. Et un bouquin. Le bouquin encore, je m'en fous. Mais les cartes de la divination, peut-être vais-je me faire lire mon avenir. Ce serait tellement beau. Oui, je prends 47 pièces d'or. Je crois que je peux pas lui donner d'or au follower. Donc voilà, la maison de la quête. C'était la quête. Voilà. C'était intéressant, mais sans plus, quoi. Bon, bah voilà, on a pas fini. Non, il y a quelque chose derrière la maison. On va explorer un petit peu. Oh, il est beau, ce cerf. Je peux pas descendre. Oh, je peux pas descendre. Oh, oh. Tiens, tiens, tiens. Mais qu'est-ce que c'est? Ah, ce sont... Je le reconnais, ça. C'est des empreintes de tigre dans le sapin. Qui ont sauté. Ils ont sauté. Ils ont dû nager pour atteindre notre côté. Ah, ils sont malins, ces tigres dans le sapin, quand même. Et moi, je peux pas descendre. Parce que... Je vais cordialement me faire voir. C'est quoi, ça? Ah, c'est de la terre. Je ne peux pas aller sur la terre, c'est ma faiblesse. Je peux pas descendre. Donc il y a cette partie-là de la map qui sert à rien. Ah, cette partie-là de la map. Ah, peut-être qu'il y a un trou dans le mur ici. Ah, je ne sais pas. Bon, on va essayer de la revoir. On sait jamais. Bon, déjà j'ai les cartes de la divination. Ah, simple, j'ai les cartes. Bon bah voilà, c'était. En fait c'était juste pour ça. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Oui, je ne pouvais. D'accord, je pouvais pas avancer. Ah oui. C'est vrai que je suis en hauteur. On s'y fait pas. On s'y fait absolument pas. Donc on va lui rendre la carte de la divination. Ah, Catriana, pas Kata. Voilà. Ce sont les cartes. Oui. Oh, calmez-vous. La clé de son chariot. Oh. Oh, je vais la voir. Oh, je t'assure que les cartes vont être tirées. Tellement bien. Bonjour, qui est allé. Bonjour, j'ai récupéré les cartes. C'est un vrai plaisir de causer ensemble. Putain, mais. Ce n'est pas un chariot, ça, c'est un TARDIS. Je ne suis pas d'accord. C'est un TARDIS, madame. Je veux cartes. Ouais. Prends les gardes, elle est complètement timbrée. Oui, mais tu es con.
Oh, écoutez mon verbe. Oh, oh c'est gracieux, mystérieux. Ce sont vos cartes. D'accord. J'ai gagné 200 points d'XP. Mais il me faut de l'XP. Alors, le futur. Oh, des petites lumières, c'est trop bien. Alors, on a volé quelque chose de précieux. Vous le cherchez, oui. Au moins d'une personne cachée dans un village à l'est. Mais elle ne vient pas de ce village. Elle a peur, elle est faible. Elle vous demande votre aide. Et vous ne devez pas lui refuser si vous voulez reprendre l'objet. D'accord, donc il faut que j'aille à l'est. Merci beaucoup. Et il nous faut cet objet très dangereux. Plus que tout le reste qu'on a volé, il ne doit pas tomber entre les mains. Mais quelle main ! Oh mon dieu, le visage ! Le futur est fermé. Merci beaucoup. Je ne sais rien d'autre. Ne serait que le début. Tu m'inspires tellement la confiance. Bon, bah j'ai gagné 200 points d'XP. Je suis à combien? Oh, je suis à 13 000 combien? Oh, je suis à 13 000 plus que 6 000 points d'XP. Bon, bah, du coup, toute cette partie-là ne sert concrètement à rien. Et à Village à l'Est, je pense que ça doit être en dessous. Cependant, je dois aller voir le bourgmestre Boret. Parce que oui, les Boret. Afin de continuer cette quête. Non, c'est pas celle-là, c'est celle-là. Mon influence. Ouais, bah tu vas avoir un bon café dans sa gueule. Il va tout de suite reprendre ses esprits. Je t'assure qu'il va être bien le bourgmestre. En parlant de café, le mien il est froid. Ah, c'est pas bon le café froid. Qu'est-ce que je peux faire? Bon, bonjour. J'ai besoin de te parler. Putain. Ah, c'est vrai qu'il est bourré. Eh, bonjour l'ami. Ah, j'encontrerai un homme du nom de Srazren. Srazren, encore un de ses petits problèmes. Oh, calmez-vous. Eh, c'est un rouge de tête, ils sont des villes créatures et des pirates. Oh, mais. Mais calmez-vous. Ok, il se défend de manière plus efficace. Et j'ai réussi mon intimidation. Oh oui. Oh, mais calmez-vous. Calmez-vous. Bonjour, madame. Bonjour. Tu es qui, toi? Non, pas tout. Salut. Mais comment tu me connais, toi? Comment tu sais comment je m'appelle? Cet endroit est bizarre. Ils me connaissent. Peut-être parce que je suis là depuis beaucoup trop longtemps. C'est par là. C'est par là. J'essaie de me repérer aussi. Ah, je vous assure, le café froid, c'est pas bon. Ah, c'est... Non. Alors, Srazren. Putain, SZ, ça m'énerve. Le bourgmestre dit que vous pouvez rester. Point, point, point. Waouh, c'est trop bien. Par chance, les magiciens. Oh, c'est bon, calme-toi. Donnez-moi. Waouh, il a disparu. C'était vachement bien. Bon. Alors, peut-être. Okay, bon, là, c'est la suite. D'accord. J'ai gagné 200 points d'XP. Il me faut plus d'XP pour le level 17. Et en fait, non, il n'y avait pas du tout. Mais absolument pas même de passage. Ah, capitaine. Bonjour, capitaine. Oui, je n'ai pas le choix. Je dois retrouver ces kobolds. Eh ben, merci, capitaine. Alors, vous quittez aux collines un village chaleureux. J'aime ce panneau.